Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo randonnée, enfin beaucoup plus Terra Aventura. Alors le Terra Aventura, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je vais expliquer un petit peu, c'est un truc qu'on a en Nouvelle-Aquitaine, hein, d'accord. Vous ne trouverez pas ça à Paris ou dans d'autres régions, d'accord. C'est un truc qui est spécifique à la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est des parcours. Ouais, c'est de la... Ouais, c'est comme du géocaching en fait. Je vous montrerai ça après. Les petites chasses au trésor. Donc, tu as des parcours. Tu trouves ça sur internet facilement. Tu as une application sur le téléphone. Et en fait, tu as des questions. Je te montre ça tout de suite. Donc là, on est à Bury dans le 17. Voilà. Le parcours s'appelle Zélé. Le thème, c'est Contes et légendes. Difficulté 2 sur 5. Terrain 2 sur 5, la durée entre 1h et 2h, et le parcours fait 3 km. Donc c'est très simple, et ça te dit, toi tu as des questions, tu vas voir, de toute façon je vais te montrer. Et tu valides à chaque fois sur l'application, en fait, le truc. Donc je vais te montrer, je vais t'expliquer à mesure comment que ça se passe, et tu valides. Et à la fin, si tu n'as pas bien validé, eh ben, comment te dire que ben, tu verras à la fin, eh ben, tu ne peux pas trouver la cache. Voilà. Et après, à la fin, tu as un petit badge. Voilà. De toute façon, je vais t'expliquer un peu comment que ça se passe. Et ce soir, on se fera un petit bivouac, voilà, dans le secteur. Voilà. Donc, je t'explique un petit peu comment se passe un peu les Terra Aventura. Voilà. Bah, allez, à tout de suite. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Je vais mettre l'application. Voilà. Donc, on met l'application en route. Alors, YouPorn. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas YouPorn. Elle est comme ça l'application. Donc, alors, l'application est comme ça. Voilà. Ça fait une petite boussole. Non. Y va, toi. Donc tu as toujours un point de départ. Donc le point de départ aujourd'hui se fait au niveau de la mairie. Magnifique mairie, hein, d'ailleurs. Faut taper là, il y a plein de parcours. Partout. Voilà, il y a plein de parcours. Donc tu choisis ton parcours. Ouais, voilà. Voilà. Donc on s'en fout. Tu as le même que sur le papier. Donc voilà. Et alors là, comment tu fais là maintenant? Ben, faut faire démarrer. Tu fais démarrer. Ça met une carte. Voilà. Donc faut aller au point de départ. Donc le point de départ, tu vois, ça nous dit qu'il est à 31 mètres. Donc, et tu as une distance, toi, tu as une direction à suivre pour y aller. Donc tu avances, donc c'est tout droit. Voilà. Plus tu avances et plus en bas, ta distance diminue. C'est dans le milieu. On s'en fout. Donc une fois que tu es dessus, faut mettre j'y suis. Et tu mets j'y suis. Et là ça met dans un point de départ avec l'histoire de Goulbenès, tout ça. Et il y a une énigme. Donc à quelle essence d'arbre appartient les feuilles situées à gauche de l'initiale RF? Faut trouver les initiales là. RF. Voilà. République française, donc ça doit être sur le monument aux morts. Et c'est laquelle essence? L'olivier, le chêne ou le pommier? Ah, ça doit être sur le perron de l'église, de la mairie. RF. Là-haut. C'est sur la mairie. Oui, bah c'est de, ça doit, c'est quoi, de l'olivier. Ça doit être de l'olivier. Hein. Pour regarder, c'est quoi? L'olivier, le chêne ou le pommier? Alors, un truc aussi, les amis. Parce que nous, on s'est fait couillonner aussi là-dessus. Quand on te demande une question comme ça, c'est toujours du point d'où c'est que tu es. Donc, si, admettons, ça peut arriver, comme là, quand on te demande combien il y a de fenêtres à l'hôtel de ville, ben, c'est toujours à ton point d'où c'est que tu te situes. Donc là, ça ne sert à rien de faire le tour de l'hôtel de ville et compter toutes les fenêtres. D'accord? Donc, alors, l'essence RF, c'est là-haut. C'est du chêne. C'est du chêne. Ouais, je pense que c'est un rappel là. On voit bien que c'est du chêne, je sais pas si vous voyez, mais... Le chêne, c'est numéro 2.
Voilà. Validé, toi, 2. Donc, je marque le chêne. Tu peux le faire en papier. Oui, voilà. Et il faut valider aussi ici. Donc, on valide. Voilà. Réponse sauvegardée avec succès. Donc, on valide et on passe à l'étape suivante. Et là, il y a un point 2, faut aller. Voilà. Donc, le prochain truc se trouve à 202 mètres et tu as une direction. En plus, c'est dans l'autre sens. Tu as une direction à prendre. Donc, ensuite, tu prends la direction. Voilà. Là, tu peux voir sur la carte que ça, en fait, coupe à travers. Mais toi, tu peux pas couper à travers. Hein. Bah oui. Donc, tu prends les rues. Voilà. Donc là, on doit prendre la rue de la République. Donc la rue de la République, c'est la grande rue qui est là. Donc on passe par là-bas. Voilà. Bon, je vais pas vous faire façon toutes les énigmes, mais c'est histoire de vous montrer un petit peu. Je vais vous expliquer un petit peu après, plus tard et tout ça, à mesure comment que ça se passe. Bah, à tout à l'heure. Le château, il doit être là-bas avec sa voiture. Donc là, t'as un joli petit lavoir. Donc comme là les amis, vous pouvez voir, la question se trouve, faut quand même aller. Ah oui, bah, ils te disent de regarder voilà. Sur le toit du château. Voilà, faut regarder au toit là-bas. Donc tu vois, faut quand même chercher, faut quand même bien surveiller et regarder. Et alors si la végétation elle a pris le dessus, voilà. Tu vois plus la coquille. Les questions se posent par là-bas des fois, donc faut faire vraiment attention. Donc là, comme là, les amis, il faut être vraiment à l'endroit précis, c'est-à-dire ici. Ouais. Et on nous demande quel nombre se trouve à l'extérieur du cadran solaire. 32. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est 32. Voilà, il faut vraiment être sur l'endroit précis. Voilà. Donc ce genre de terrain aussi, tu peux l'avoir aussi en nocturne. Et tu peux également le faire en vélo. Voilà, tu peux avoir des terrains. Comme là il est petit hein, donc il fait que 3 km mais tu en as qui font 15-20 km donc c'est à faire en vélo. C'est assez intéressant comme genre de choses parce que en fait tu découvres des choses. Moi j'en ai fait un dans mon village et j'ai découvert des choses que en temps normal ben, tu vois pas parce que tu lèves pas les yeux. Donc là, ça te permet de lever les yeux en l'air et regarder un peu qu'est-ce qui se passe autour de toi. Et t'apprends vraiment des choses sur ton village. Voilà, ton village ou les autres villages. Voilà, c'est assez sympa. Tu peux faire ça aussi avec des enfants pour les parents qui ont des enfants à bas âge. Eh bien, tu vois, en poussette, ça peut très bien y aller. Voilà. Et pour ceux qui nous suivent aussi sur les randos classiques qu'on a l'habitude de faire, l'autre jour, je vous ai parlé que j'allais changer mes chaussures. Donc ça y est, c'est fait. Je vous présenterai tout à l'heure mes nouvelles chaussures. C'est ici, non ? Je vous présenterai tout à l'heure mes nouvelles chaussures. Et également les nouvelles chaussures à Madame Passion Campagne. Voilà. On a fait une très très bonne affaire. Il y a eu les soldes. Et donc les chaussures, je les ai touchées à moins 50%. Et croyez-moi, parce que, et heureusement, parce que quand on voit le prix des chaussures, en temps normal, celles-ci,
à 170 balles. Donc, on a fait une très très bonne affaire. Mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Et on pourra vous dire ce qu'on en pense, parce que on les a au pied. Voilà. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez en savoir plus sur nos chaussures. Voilà. Bon, c'est par là, tu dis ? Donc là, on a des vignes, ouais, vous avez compris. Donc là, on est sur un cépage uniblanc qui sert uniquement à la conception du cognac. Voilà, c'est pas du raisin de table, c'est de l'uniblanc. C'est un cépage blanc. Hein. L'uni-rouge, ça n'existe pas. L'uniblanc, c'est un cépage que... Après, on fait distiller, on fait vieillir, et tu as de l'eau de vie. Voilà. Donc, avec cette eau de vie, soit tu fais du pinot, que Madame Passion Campagne boit à l'apéro, tout. Voilà. Ou le cognac, que Passion Campagne boit à l'apéro aussi. Voilà. C'est toujours par là ? Là, on a du laurier, laurier sauce, que tu vas pouvoir te servir pour faire des pâtés. Voilà. Alors, moi, je vais en prendre un petit peu, parce que pour ce soir, sur le bivouac, je vais en avoir besoin. Voilà. Donc, j'en ai à la maison également. Pour ce qui est du bivouac, ben, vous verrez ça... dans une prochaine vidéo. J'ai eu beaucoup d'abonnés qui m'ont demandé quand c'est que je rattaquais les bivouacs et tout ça. Donc bah, ça arrive, vous inquiétez pas. Voilà. Naturellement, quand il mouille, on fait pas de bivouac, là il mouille pas. Aujourd'hui, on a un temps qui est... c'est pas que c'est couvert, hein. Mais... c'est brumeux. Voilà, bon, ça mouille pas, il fait pas spécialement froid, mais bon, on a un petit vent de nord. Bon, ça va très bien pour faire ce genre d'activité. Puis pour les bivouacs, c'est pareil, hein. Quand il mouille, je fais pas de bivouac parce que j'ai pas envie de me mouiller la gueule, tout simplement. C'est pas agréable. C'est pas agréable du tout, donc là, au moins, ça va bien. On peut faire un petit feu, passer du temps autour du feu. Ça, c'est bien, quoi. Bon, je vais reprendre tout à l'heure. Bon, là, on me dit, si vos réponses aux énigmes sont exactes, les coordonnées GPS de la cache s'affichent en vert sur l'application mobile. Cliquez sur « Localiser la cache », puis « Laissez-vous guider ». Donc, on va cliquer. Valider, là. Clique. Voilà. Oups. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Soleil. Il semblerait que vous avez oublié de valider une ou plusieurs réponses. Veuillez compléter celle indiquée en orange. Ah, bon, moi, j'ai... Ah, vous voyez, donc... Je complète. c'était les vignes. S'il ne fait pas le bonheur, nana, t'as pas validé. Ah, j'ai pas validé. C'était quoi ? Le vent. V-E-N-T, 4. J'avais pas validé. Voilà, étape suivante. Les piliers, 8. Ouais, il faut penser à bien valider. Bah, 2, ce que j'ai pas fait. Les poissons, 4. Donc, si on valide... Alors, vas-y. Oh non. Oh. Il y a des erreurs. Donc, soleil. Identifier
Modifié. Non, c'est pas vent. Ça serait pas vent. Soleil alors. S-O-L-E-I-L. L. 5, 6. Putain, il y a toujours un problème. Hein. C'est dingue ça. Hein. Le point 2. 4. Alors, si on valide. Bravo! Ah, bravo! Localiser la cache. Donc, on va aller au niveau de la cache. 24 mètres. Oh. Voilà, on va aller au niveau de la cache. On y va. Je vous montre ça tout de suite. Bon, les amis, je suis passé devant le boucher, donc naturellement, j'y étais. Tu sais, hein, la boulangerie, puis la boucherie, ça fait le bonheur de passion campagne. Voilà. Donc, on suit la carte. Donc, c'est Dora qui a la carte. Hein, c'est de... Mais c'est hein? 77 mètres. Dora. Donc, normalement, on devrait avoir un QR code. 6 mètres. 7 mètres. Et on devrait avoir une boîte. Alors, il y a des fois, elles sont dures à trouver. Zéro, c'est ici. Ah bah je suis à zéro. Voilà. Les amis, allez ici. Voilà. Donc, là, ce qu'il faut maintenant, c'est on fait trouver. Alors, je vais te le... Lire le QR code. On est des trous de balles, et personne n'a l'endroit. Une histoire pour Goulbenaise. Et pour ça, on est passé plusieurs fois à côté tout à l'heure. Alors, je sais pas si ça va le scanner. Zoom un peu plus peut-être. Ah, attends. Là. Donc, félicitations. Voilà. Félicitations. On a trouvé le truc. Donc, on va laisser un petit message. Et ensuite, on peut faire une photo. Et là, tu viens récupérer ton petit badge. Voilà. Et c'est qu'ils ont mis un cadenas. Il n'y a pas de petit livret à l'intérieur. Non, moi, j'en veux pas. Je l'en laisse aux autres. Alors, quand tu fais ça, c'est de ne pas en prendre 50 000. Donc, voilà le motif de celui-là, zélé. Voilà. J'ai mis un cadenas. Donc, on laisse un petit commentaire, on laisse une photo. J'ai mis Terra très boueux, mais sympa dans les beaux jours. Voilà, les amis. Donc, voilà ce qui est bien dans les Terra, c'est ça, c'est petite chasse au trésor. Tu découvres un peu. Des monuments, tu découvres des choses que t'as pas l'habitude, hein, voilà. C'est toujours un petit peu sympa. C'est vrai que faut pas avoir des terrains trop merdiques. Hein. Voilà la petite photo pour l'application. Donc je vous ai promis tout à l'heure de vous parler de nos chaussures. Donc moi pour mes nouvelles chaussures, je vais montrer ça tout de suite. Donc mon impression campagne, elle a fait voir tes chaussures. Donc elle a les Sportiva. Elles alors, sont toutes pourries. Ouais, elles sont pourries parce que forcément vous savez qu'on est passé. Donc Sportiva, très bonne paire de chaussures pour la montagne et tout ça. Je sais plus le modèle, c'est pas grave, on s'en fout un petit peu. Donc on les a touchées, hein. Pareil, ces chaussures comme les miennes, à moins 50%. Donc c'est des chaussures qui valent quand même dans les 140 balles, un truc comme ça. Non, 170 aussi. Ouais. 170 euros, je crois. Et moi, j'ai les Oka. Voilà. Alors, c'est pareil, je sais plus le modèle. Donc, moi, j'ai été obligé de prendre des chaussures quand même assez... avec un bon amorti, tout ça, dû à mes problèmes de genoux. Voilà. Donc, très bonnes chaussures qui vont très bien. Première rando, si on veut par là, qu'on fait avec. Et bien, franchement... Ça me change la vie, hein. Vraiment, c'est des chaussons. Alors là, je voulais rajouter une petite chose. Tout au long du terrain, si on arrive à ramasser des déchets. Oui. Donc on prend une photo
et on peut l'ajouter à la fin du terrain et on obtient un badge spécial zéro déchet, je sais pas quoi, ramassage de déchets. Voilà, c'est des petits poils un peu spéciaux, voilà. Ouais. Et puis aussi, à chaque fois que tu obtiens... Donc là, ouais, c'est marqué quand on valide avec la photo. Il y a « J'autorise la diffusion de la photo ». Et après, j'ai ramassé des déchets, j'ai une photo pour le prouver. Donc, je souhaite recevoir mon badge virtuel Green Attitude. Voilà. Bon, nous, on n'a pas trouvé de déchets, mais on aurait pu faire une photo en ramassant le déchet. Et voilà. À chaque fois que tu valides, ça te donne droit à des bonus. Parce que si, admettons, il y a une étape que tu as ratée et que tu n'as pas trouvé ou je sais pas quoi, tu peux faire jouer ton bonus. Voilà. Ouais, c'est des jokers. Ouais, des jokers, ouais. Voilà, il y a des mots mystères et là aujourd'hui c'est... Ouais, mais après il fallait pas le dire parce que si les gens ils veulent faire le terra... Voilà, bah fallait pas le dire parce que si tu veux le faire... Donc tu le mettras pas. Donc je le mettrai. Il y a des mots mystères mais... Bah, je le mettrai pas. Faut pas le mettre. Donc comme d'habitude, si t'apprécies cette petite vidéo ou si je te fais partager, bah tu vois, les activités que tu peux faire en famille et voilà, tout ça, bah n'hésite pas, le pouce bleu, l'abonnement. Le rebooter. Moi je vais essayer de trouver un petit coin de bivouac. Pour ce soir, cette vidéo, toi tu la verras la prochaine fois. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, sinon tu verras pas ça. Voilà. Donc ça va être un bivouac avec la voiture pas très très loin. Voilà, parce qu'on a emmené quand même pas mal de matos. Et puis surtout pétage de bide, comme d'habitude. Allez, sur ce, à la prochaine. Salut.